préviens Sosul que plus personne ne souffre par leur faute. Bon bah c'est nice. Ouais. Mais... Allez, envole-toi. Allez, on va crever. Let's go. C'est étrange. Je suis passée vers la retraite rieuse. Il n'y avait plus personne. C'est comme si le vent les avait emportés. Tu sais ce qui leur est arrivé ? Un truc de Felen. Non, désolé. Ça pourrait être ceux qui viennent du ciel. J'ai vu des signes de lutte, mais pas de métal. Un âme de vie, ça. C'est autre chose qui les a fait fuir. J'espère qu'ils vont bien. Si tu vas là-bas, fais attention. Ça pourrait être dangereux. Oh, la grosse pause qu'on... C'est là ? Ah oh, non, c'est en dessous. Non, mais attends. Sur, voilà. Je suis en train de déverrouiller celle-là, là. Déverrouiller ça ? C'est là. Bon. Okay. Voilà. Comme ça, c'est fait. T'es loin ou pas ? Pas où ? Tu sais, pour la caméra, enfin, le truc là, tu sais. Les Ekidius sont comme les Essois, libres et fiers de l'être. Voilà, on revient après. Hein ? On revient après ? Ici ? Après quoi ? Bah, il y a le truc, tu sais, la caméra. J'ai débloqué une station. Oh ! Ouais, c'est pas important ce coup-là. Ouais. Il y a une petite mort avec son ondaille pour l'enfoiré qui veut pas qu'on tue les autres. On y va, tes mecs ! Ouais, j'arrive. Oh, il t'a pas sauvé là. Mais bon, c'est sûrement des normales ça. Ouais. Allez. Ah, y'a un truc violet ici. Ouais. C'est quoi ? Cela ne suffit pas de bouger dans tous les sens. C'est pour cette raison que nous nous entraînons. Ils ne font pas le poids à découvert. Nous sommes plus nombreux, et notre sang bouillonne de la douleur des Wa. Faisons sortir ces lâches. Pasuk, les soldats de Harding ont coupé ses défenses. Dans son œil, je n'ai vu que... le froid, les ténèbres... comme si j'allais m'y noyer. On peut pas foncer tête baissée. Harding ne se rendra pas, je la connais. Alors va-t'en, si tu es déjà vaincu. Peut-être que les Aranahe ont besoin d'aide pour leur tissage. C'est au Na'vi qu'il revient d'en finir.
Préviens-nous quand tu seras à l'intérieur, et nous attirerons leurs guerriers dehors. Une fois qu'ils auront le dos tourné, tu pourras saccager leur camp et faire fuir Harding. Plus pratique dans leur petite pièce. Fais-en bon usage. Tu dois répéter les mouvements jusqu'à ce que ça devienne naturel. Là, j'aime bien. Ça va coûter cher à la RDA. Exactement. Et merde. Tourelle anti-aérienne. Oh, ouh. Ouais, je me suis attiré direct. Ouais, pareil. Et Mercer n'aime pas quand ça coûte cher. Ok. Oh oui. Oh, faut casser le truc à l'air là. Que peux-tu me dire sur la base? Ok, alors, il s'agit d'une usine d'extraction et de traitement du gaz. Tu vas devoir... Oh, la pollution de zinzin, frère. Ouais. Il faut que je mange. Te follow. Laisse-la dire. Oh, ils sont beaucoup, frère. Après, il faut pas qu'on les attaque, on doit juste rentrer dedans. Hein. Après ça, on les attaque. Ouais, après ça, on les attaque. Oh, tellement pratique. Ah. Ah, tiens. Je peux pas voir. J'ai l'impression qu'il est loin. Non, non, il est quand même proche. Ah, il y en a partout de ces foutues bestioles. Tiens, il y a une main aussi. Okay. Je passe par là. Il y a une porte en tout cas. Et on peut pas rentrer dedans. On peut peut-être essayer d'en rentrer par là. Par là. Mais... Oh. Par en bas, ouais. Ok, y'a personne qui regarde, go. Descends. Cet endroit est immense. Tu sais où sont les injecteurs? Ils sont sous terre dans les mines de gaz. Et il devrait y avoir un ascenseur ou un puits dans le coin. Un ascenseur. J'ai une de ces balles. Oublie pas ton arc, hein. Celle-là, on pourrait le tuer. Ouais. Oh. Je le laisse. Vas-y. Ah là. Oh, regarde le robot, frérot, il est différent. Ouais, mais regarde derrière lui. Oh, bah, devant lui. Par contre, le robot, il a l'air cheaté, hein. Ah là. Okay. Mais je suis en train de me dire, s'il nous a donné un accord, ça veut dire qu'il va avoir beaucoup d'ennemis. Ouais.
Bah en même temps on le voit frérot qu'il y en a pas mal. Ouais mais à surface, sous-sol. Okay. J'y suis. Combat vaillamment et joins-toi à notre victoire. Et tout? Ah il faut que je tire. Ah. La porte là? Ouais. Ah ils sont normal pour fond. Ah ils sont pas mal hein. Ah oui. Ah oui. Non mais c'est quoi ils ont. Frérot c'est leur base principale ou quoi The Bee c'est... Même pas. Ok. Ah oh, mais là frère ils ont fait une dinguerie d'extraction, c'est quoi ce délire. Info sur les injecteurs. Purée. Alors, dépêche-toi. T'as pas mal à la gorge à force de parler autant. Ok. On essaie-tu de le rebois avant? Il dit qu'il va avoir des problèmes, hein. Ah, j'aimerais tellement pouvoir enlever ce foutu masque. Ok. Et ouais. Oh, ils ont même pas marqué. Tu as des fruits? Ouais. On va manger les fruits ici. Attends, mais maintenant, on doit te faire quoi maintenant? Détruire l'usine là, mais faut tuer aussi les ennemis fait. Oh, regarde. Oh, c'est rapide, hein. Et voilà. Et voilà. Ah. Oh y a deux en une fois là. Ils ont rien entendu je crois. Non ils sont en dessous. Avec Boussy. C'est ouf. On vient ici de préparer à mourir et il faut tailler. Un peu condamné à mourir quoi. Mais attends, je comprends pas, j'ai zéro Hein? Taylan, c'est super, mais on est en plein combat. Comment on fait pour modifier les armes dans notre inventaire déjà? 3 sur 21 ça me fait. Je crois que j'ai un bug. Ah super. Ouais. Ah il y a plusieurs robots ici. Oh putain. D'accord, c'est la bonne chose. Ah merde. Je vais chercher une meilleure position. T'as tiré avec quoi la lance? Ouais. Allez, bye bye. Faut que tu actives là-haut. Là. Ah là-haut? Ok. C'est bon. Okay. J'ai éteint les injecteurs, Taylan. Alma, je me dirige vers le centre de la base. Fais attention. Je suis sûr qu'il leur reste encore des hommes en réserve. Comment ça se présente? Je crois qu'on a pris la RDA par surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on travaille avec les nappes. Ils n'en restent pas moins très nombreux. Mec, c'est la gueule, c'est pas dans le compte pause. Allez. La RDA
Ça se passe mal ? C'est le chaos. Je pense que ça doit les perturber de combattre à la fois des humains et des nazis. Je pense qu'on devrait... Alma, tu es là ? Est-ce que ça va ? C'est bon, ça va. C'était juste. Préviens-moi si tu retrouves la trace d'Harding. Allez. J'arrive à la zone de traitement. C'est ici qu'il transforme le gaz naturel en produit chimique pour créer du fluide d'extraction. Il y a beaucoup de pression dans ce conduit. Alma appelle ça un talon... Comment déjà ? Un talon d'Achille. Un point faible. Non mais c'est quoi ce coffre, DJ ? Vas-y. J'ai mes amis, mes ancêtres et Eiwa. Elle est vraiment conne celle-là. Ouais. Ah tiens. Dans cet arc, il est vraiment cheatant, je te le dis. À court distance, ouais. Ouais. Ah, ok. Rien. Sous poison dans l'air. Je dois faire attention. Il en manque 6, là. Il en manque deux. Ils sont où les deux autres? Ah oui.
Bah ouais. Je sais faire. Ah, ah là. Ah oui. J'ai détruit tous les conduits. Il reste plus que la production. Mais oh, bien. T'as dû, hein. Let's go. On devait pas l'exploser normalement. Non. Pourquoi on l'a pas fait? Je vais prendre des cryptations, il y en a là. C'est mieux. Hein. Harding est ici. N'oublie pas qu'elle est très dangereuse. Il verrouille la base. Comment ça se passe dehors? La RDA a envoyé un soutien aérien. Tu dois y aller. Ah, faut pirater. Là. Ah, faut. Ok. Je préfère qu'elle dise ça, comme ça on la bute. Quoi, tu comptais pas la tuer? Si, si, justement, bah oui, mais si elle aurait pris l'avion, frérot. Ah non. Ok, non, c'est correct. Où c'est un truc piraté? Non? Ah oui. Alma, Mercer a appelé Harding. Il est furieux qu'elle ait attiré les essois. Il lui a ordonné de partir. Excellent. C'est super s'ils se disputent entre eux. C'est le chaos total à l'extérieur. La RDA semble désespérée. Tu penses qu'on peut l'emporter? Si tu peux les forcer à quitter l'usine, oui. J'en suis convaincu. Ah. Rien à voir. Oh, ah. C'est facile. Embrasser niveau 12, frère. Enfin, niveau 12. Violet. What the fuck? Rien. C'était quoi ça? Je ne sais pas. Cette machine vient d'envoyer un tas de données. Priya? Envolez-moi. Je les ajoute au ventre. Ça en fait un paquet à analyser. Il y a un truc à pirater, mais oui. Qui a pas raté. Ah, je le vois. Où ça? Ah oui. What the fuck? Faut détruire le truc. Ah, oh, ok, je comprends. Un peu, il est où? Ah, qui est là. Et une flèche. Allez. Et voilà. Non, pire. Je suis à l'unité de production. Ok. Tu ne pourras pas manquer la tique. Elle est vraiment énorme. Tu verras des petits réservoirs. Détruis les conduits, puis ferme la valve. Et tu sens une autre. Oula, j'aime pas cette porte.
Il porte comme ça. Il porte comme ça, c'est jamais signé, c'est jamais pensé. Et là, hein. Il enferme la porte, quoi. Je dis pas qu'on aurait dû bombarder, genre. C'est ouvert, c'est ouvert. Ah. Merci, j'ai des yeux. Allez, tête. Bon, il se passe un truc. Je vais les regarder. C'est une flèche, ça. Là, j'en vois. Oh! Aussi abattu! Ouais, il prend mal. Allez, viens! Ouais, on s'est arrivé! Wow! Tu vas te carnarder! Oh putain! Ok. Montrer à ces singes bleus les avantages. Attention, navire repéré. Putain, il a plus de vie. Il a plus de vie, frérot. Il est en haut là, il est plus dur. Moi non plus, j'ai plus de vie. Soin. Je suis jamais les grenades. Oui, t'es jamais agi, bien sûr. Oh, ils sont deux sur moi. Hein. Je lui ai mis une flèche, il meurt, hein, sur où je suis. Hein. Enfin, ceux d'en bas. Tous morts. Voilà. Ouais. Nice. Les conduits, c'est bon. Et voilà. Et donc, je ferme la valve. Oui, c'est ça. Let's go. Et mec, au moins, il y a des traces de soins comme ça. Prends-les. Je suis full. Ah. Tu laisses pas ton soin? Oh. Oh. J'aime vraiment pas ça. Je trouve un nouvel angle d'attaque. Et voilà. Let's go. Ouais. Et là. On ferme les balles. Fermé. Oh. Ah non, la vie. Oh, ça arrive, frérot. Ah oui. Oh, vas-y. Tu veux que je suis dans une zone safe, qui me reste. Je sais que t'es encore là. Attends, je peux revenir de l'autre côté ou pas? C'est vraiment qu'il a mal mis les touches pour se soigner et se bouffer. Ouais. Oh, ils sont beaucoup, frère. Ouais.
Vous relâchez pas. Faut pas l'attraper. Je vais bien finir par crever. Faire ça tranquillement. Ouf. Ensuite la valve. Let's go hein. Ouais. Oh ah bah. Oh je vais mourir. Hasta la vista. Tu as fermé? Ouais. Non. Il y a beaucoup de gaz. Ouais, c'est bon. Oh, vas-y. Stop. C'est pas fait. Vas-y. Ne plus rien, à force. Pour mon level, on se fait one shot. Tu peux pas te planquer indéfiniment. Putain. Mais frérot, j'arrive pas à te réanimer. Putain, vas-y. Valve fermée. Oh non, ok. Il y a un petit de montrer son dos. Ça va empoisonner eux. Commence. Fais la balle. Vas-y. Il manque un. Il peut attendre là avec une grenade puis le one shot. Il manque un. Ah. C'est à ton niveau. Ensuite la valve. Ça arrive, hein. Et voilà, on est mort. Il y a beaucoup de gaz. Ah non. T'es mort ? Il y en a un devant moi, hein. Attention. Il y en a un sur moi. Ah, il arrive vers toi. Et en plus, j'ai le poison, vas-y.
Oh, c'est buggy. Fais pas les poisons. Fais pas la colle du poison. Ah, vas-y, bute-le, hein. Oh, mais sans trop. Putain. Je vois rien. Valve fermée. Oh. Oh. Oh mais vas-y, Titané. Pourquoi on est venu faire toute cette merde de tenir, hein? Tu voulais pas qu'on fasse tout ça? Non. On fait la quête qui est 3 levels de plus que nous. Bon, en vrai, on les tue, hein, donc il y a moyen. Hein. C'est juste... On les tue, mais une one shot. En vrai, ils se font déglinguer par le poison déjà. Ouais, mais nous aussi. Ça fait mal. Comme si c'était fait. En fait, faut juste qu'on la joue intelligemment, en fait. Ouais, c'est avec les poissons. C'est bon. Je vais de mon côté. Il manque lequel, là? Ensuite, la valve. C'est bon, c'est bon. Ça arrive, hein. Je m'en prends une grenade, non plus. Il y a beaucoup de gaz. Bon là, la salle de contrôle, faut pas se battre contre eux. Ah, j'ai trop bas. Non, je suis dans l'eau. Je suis très bien dans l'eau. Hein? Mais je peux pas avancer. Fais cette merde. Faut aller où là? C'est bon. Ouf. Le gaz a été évacué. Ça veut dire que les valves de sécurité sont ouvertes. Si tu les détruis, tu pourras faire exploser la tique. Ça arrive, hein. Mais ça arrive bientôt. Fais attention. Ah. Aucune chance.
sortir d'ici. Faut qu'on sort. On sort par où? Le mec il me court dessus avec un lance-langue. Fuis. Pas où? Je sais pas moi, je sais même pas où je vais, frère. Là-bas. Tu sais, c'est par où ou pas? C'est par où? Y'a une veine. Par où? Oh, en bas. T'es pas en bas. Ok, j'arrive. Vite. J'ai détruit la machine. Bien. La RDA est en train de se plier. On les a fait fuir. Mais leur ombre est encore là. Cette ruine est rongée par le poison. Il faut partir. Eh, c'était chaud, hein. Franchement, c'était chaud. Ouais. Mais je savais qu'on pouvait le faire. Franchement, je savais qu'on pouvait le faire. Évacuation en cours. Évacuation en cours. On est dans les airs. Bon. Ouf. Wow. Ah oui, mais ça va jamais guérir, ça. C'est un poison à vie. Ouais, mais bon, ça empoisonnera pas le reste, hein. Bon, je vois pas de navire mort. Les écrans, oui. Eywa guérira, quoi qu'il arrive. Ah, bah, apparemment, ça guérira. Bonne chose de faite, hein. Ouais. Voilà, on retrouve Alma. On va arriver là-bas, ils vont dire qu'une des saints est morte. T'imagines? Au bec. T'imagines? Une sache qu'on a acheté ses équipements. Mais la meuf, elle est toujours pas morte, hein, du coup. Ouais. Elle a réussi à fuir. Ah oh. Quoi? Cela ne suffit pas de bouger dans le passé. C'est pour cette raison que nous nous entraînons. Non. Non. On sait pas ce qui par contre. Pas une des sœurs. Faut retrouver qui du coup. Voici ce que j'ai à te proposer. Fais attention à toi. Mais Alma, c'est qui Alma? Le vent va les déchirer. Ah, c'est vrai. Plus. Quelle belle journée pour la résistance. Et quelle mauvaise journée pour la RDA. Et probablement pour la collecte de trophées de Harding. Viens, allons joindre les autres. Ça doit être galvanisant de pouvoir enfin se battre. Les plaines sont assez. Du monde des choses à Eywa. Vivant en elle, jamais oublié, nos souvenirs entremêlés tels les fils d'un collier de vie. Les Eswa doivent protéger tous les enfants d'Ewa. Ces massacres sauvages doivent cesser. J'ai hâte de nous voir déposer nos lances et de partager du zanke autour du feu. Oui,
quand le vent ne portera plus le grondement de leur machine. Vous n'êtes pas forcé de vous battre seul. Porte la flamme de notre victoire avec toi, Tsamsiu. Puisse-t-elle embraser de nombreux cœurs. Je devrais aller me reposer. C'est étrange à regarder, mais ça doit être encore plus étrange à porter. Tu vois qu'on a... Allez, c'est parti. Je te rejoins. Te revoilà. Tout le monde met la main à la pâte pour la soirée. Je peux faire quelque chose? Voyons voir. Taylan a besoin d'aide avec les lumières. Tu peux t'en charger? En dehors de ça, je crois qu'on a tout. Tu peux te reposer, t'amuser. Va voir tes amis. Tu sais que Jean a essayé de cuisiner de la nourriture Navi. Ok. Wow, sympa le matos. Bon. Parle à Taylan. Oh. On doit vraiment parler à lui. Je viens d'installer des lumières. Je les ai pas encore testées, mais... J'espère que ça leur plaira. Tu es doué de tes mains, Taylan. Je suis sûr que le résultat sera à la hauteur. Tu penses vraiment? Je trouve juste que bricoler, c'est plus simple que parler. Les choses sont compliquées. On devrait tester les lumières. Si t'allais appuyer sur l'interrupteur, je reste ici. Au cas où mon câblage prendrait feu. Faut que la fasse à base, sinon je la fête. Le pire, c'est que c'est grave possible. Hein. C'est le pire. J'adorais écouter la radio de nuit. Ça me manque un peu. Il y en a pas un peu trop. Merci des trucs sur le truc. Qui a éteint ces lumières? Ça dérangera personne si tu les rallumes. Ok. Je crois que les gens d'ici nous aiment bien. Discuter avec Nord et Solek dans les quartiers de vie. Rien de tel que de parcours. Hé, hey, tu es Billy, c'est ça? Non, c'est pas Nord. T'as décidé de venir à la fête, finalement? Ouais, et je commence déjà à le regretter. Danny arrête pas de me regarder. Et quelque chose me dit que c'est pas parce que je lui plais. Hmm, c'est peut-être parce que tu as apporté ton arme à une soirée. Vous pouvez frapper sur vos tambourins de hippie et faire comme si on avait déjà vaincu la RDA. Mais Mercer ne se laissera pas faire. Tu as peut-être raison. Mais on mérite tous de décompresser un peu. Et de s'amuser. Ouais, amusez-vous. Pendant que la RDA graisse ses armes. Harding a peut-être été cruel, mais elle accordait de l'importance à ses soldats. Pour Mercer, tout le monde est remplaçable. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. C'est pour ça que je suis parti. Mais maintenant, je me demande si c'est pas pire. Oh, écoute, je suis juste venu prendre de quoi grignoter. Ça me change de la bouillie que nous servait la RDA. C'est déjà ça. Un peu de lui. Bah, je veux bien. Voir l'intérieur d'un de ces ordinateurs. Ce soir, on se détend. On parle pas de travail. Mais j'ai l'impression que Mercer prépare quelque chose. On a trouvé... Non, non. C'est une fête. Tiens, j'ai une question pour toi. Bien, je t'écoute. C'est bien moi la plus drôle, hein. Priya raconte des salades. Je suis drôle? J'ai juste un humour discret. Un humour discret, ça veut rien dire, tu dis n'importe quoi. Oh, je... Vous êtes toutes les deux drôles. Parce que ce serait insupportable si elle était intelligente, belle et drôle. Tu as sûrement raison. C'est bon. Intelligente et belle, ça me suffit. Allons chercher du gâteau. J'en ai vu quelque part. Il faut qu'on se bouge un peu ici. Oh, c'est la longue...
longueur d'onde optimale pour les prédateurs. T'aurais peut-être pas du tout goûté, Rinella. Curieux pour une fête, non ? Ça va. J'ai juste besoin de... Hey, te voilà. T'as faim ? Tant mieux, on a quelque chose de spécial à te faire goûter. Tu dois absolument goûter ça. J'ai jamais essayé de les faire griller, mais la pyrolyse du sucre devrait créer une saveur encore plus incroyable. Comme les oignons frits. La cuisine, c'est juste de la chimie après tout, non ? Oui, oui, merci, Alex. Garde le cours pour plus tard, ok ? Tu gâches la surprise, là. Ces saveurs doivent être vécues, pas expliquées. On a cuisiné un vrai plat navier. Ça a l'air bon, non ? C'est toxique pour les humains, malheureusement. Mais je suis sûr que c'est très bon. Je vais voir les données qu'on peut récupérer. N'en prends pas une si grosse. Trop tard. Oh. Tu veux un peu d'eau? Non, ça va. Mais pourquoi ça... Ça crépite dans ma bouche? T'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Bien sûr. What the fuck, c'est normal, ouais. Il y a beaucoup d'arbres dans ces plaines. Et je crains que notre bagarre en ait d'air... Oh, celui-là est vraiment pas mal. Pas trop relevé? Maintenant que tu le dis, c'est un peu... Oh, oh, ça pique. Oh, t'as un peu. Je me sens bizarre. T'en fais pas. Les effets s'estompent au bout d'un moment. Mais c'est touche en inversé. T'es bourré. Ah oui. Ouais, t'es bourré. Comment ça va? Ah, là, c'est bon. T'es où? C'était... intense. Je t'avais prévenu. Sois plus clair la prochaine fois. Je voulais partager ma douleur. Waouh, merci. Je sais que Jin Yong et son équipe ont fait de leur mieux, mais nos vieilles rations étaient meilleures que ça. Je sais pas. J'ai apprécié les émotions de chaque plat. Ce sont bien des mots de diplomate, ça. Cette armure te va bien? Ça fait plaisir de vous voir en un seul morceau, toi et les autres. Ces lumières sont si jolies. Bien joué, Taylan. Et si on essayait de profiter un peu? J'aimerais bien qu'on fasse la fête un peu plus souvent. Mais ça fait déjà plaisir de voir tous ces sourires. Vous vous amusez bien? J'essaye de convaincre Solek de m'apprendre le lancer de couteau. Il me dit qu'il ne sait pas faire, mais je crois qu'il ment. Je ne lance pas mes couteaux. Ce ne sont pas des jouets. Si t'en as autant, c'est forcément pour les lancer. C'est pas vrai, hein? Si seulement tu t'entraînais au lieu de bouder toute la journée, tu serais un vrai guerrier. Et tu lancerais le couteau. Ça ressemble à un défi, Inor. Ok, Solek. Je vais te prendre au mot. Entraîne-moi. C'est d'accord. Mais avant, il faut que j'aille voir ce que Harding a volé au clan. Je t'accompagne. J'ai envie de voir ça. D'accord. Et après, on pourra peut-être commencer l'entraînement. Avec plaisir. Désolée d'interrompre vos festivités, mais je dois vous parler de quelque chose. Est-ce que tout va bien ? Oui, oui. Je suis dehors sur la plateforme d'observation. Ok, j'arrive. Mais d'accord pour dire que ça va être nous, le chef de clan. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? En théorie, ouais. Normalement. C'est important, le style. Mais c'est tellement chiant. Bah, oui. Ouais. Regarde. Ça doit être agréable de le clan, là. Avec les mammouths. Ouais, mais non, dans le fond, le clan des mammouths, eux, ils restent tous ensemble. Mais notre clan, dans le fond, il y a l'arbre qu'on a vu qui est... Oui. Tu sais, la place où on peut pas aller de niveau 20. Mm-hmm. Bon, ça c'est une zone qu'on avait, mais ils disent, à chaque fois qu'ils en parlent de notre clan, on vient toujours seul. Fait que le peuple qui est dispersé. Ouais, mais justement, c'est un peuple dispersé parce qu'il n'y a pas de meneur. Un jour, je voyagerai jusqu'à... Ah ouais. Oui, mais justement, on peut faire ça. Si on peut, on pourrait. L'être encore plus. Sympa, les bah, on, déjà on pourrait, parce que regarde, on est combien déjà? On est déjà 4. On pourrait, hein. En vrai, hein. Tu as besoin d'une nouvelle tenue ? Est-ce qu'ils vendent des trucs intéressants, lui ?
Ouais, bof. Ah, au fond. Alors, tu t'es remise du concours de cuisine ? À peine. Tu ne veux pas montrer à ces humains à quoi ressemble une vraie danse ? Je n'ai pas l'habitude des fêtes. Et je ne connais même pas les danses des Na'vi. Les Essois vont nous montrer, ne t'inquiète pas. Ça me plairait beaucoup. C'est fabuleux de rencontrer les autres clans. J'aimerais pouvoir rencontrer les nôtres. Tu t'es connecté à Ewa ? Oui. Nos ancêtres Sarentu doivent être là. Quelque part. Mais... ils m'échappent. Peut-être que tu manques d'entraînement. On a encore tant à apprendre. Patience, Ritnella. Oui. Tu dois avoir raison. C'est important, le style. On a juste pu un seul une fois. J'ai récupéré une pile de pièces de... Alors, tu ne veux pas danser avec nous ? Ça fait si longtemps, je ne saurais pas. Oh, Emily aurait adoré cet endroit. Elle doit te manquer. J'aimerais qu'elle soit là. Enfin, pas là. C'est pas une vie pour une gamine. Mais j'aimerais pouvoir sentir l'odeur de ses cheveux. Je parle comme une cinglée. Ouais, elle a perdu son enfant, je crois. Si je ne me souviens pas des bras de ma mère. C'est une partie de moi qui me manquera. À jamais. Peut-être qu'on peut se compléter mutuellement. Ça me plairait. Si Adjir me laisse un peu sortir de l'infirmerie, tu pourrais m'aider avec mes recherches. On essaiera de cultiver un espoir pour la terre d'Emily. Avec plaisir. C'est quand tu veux. Ça fait plaisir de te voir. Tu as besoin de quelque chose ? Je pense que le site pourrait être amélioré. Juste un peu. Alors, voyons voir. À quoi on peut jouer pendant une fête ? Il y a le choix. C'était chaud quand même. J'ai dû rester un peu en retrait pour veiller sur Alma. Viens me voir si t'as besoin de quelque... Hey, salut ! Tu t'amuses bien ? Je crois qu'il y a encore de la nourriture Na'vi dans la cuisine. T'en veux ? Ça ira, merci. Vous semblez un peu tendus tous les deux. C'est rien. Enfin, Dany est inquiète à cause de Billy. J'ai pas envie que quelqu'un se fasse tirer dessus, tu vois ? Il prend encore ses marques en tant que ex-RDA. Tu te souviens comment c'était ? Les choses sont différentes ici. Moins de pompe et moins de traction. Et donc il apporte son arme au dîner. Je connais ce genre de gars. C'est un provocateur qui se prend pour un cador. Il est imprévisible. C'est comme ça qu'on perd des gens. Au moins, Billy fait des efforts. Il est venu à la fête. J'imagine. Mais je vais lui dire ce que je pense. Demain. Elle a raison. Pas normal, ouais. Ça. Parler à Alma. La plateforme d'observation, elle est où ? C'est où la plateforme d'observation ? Non. Hey, pourquoi c'est bloqué ici ? Rien de tel que de parcourir les plaines. Regarde-toi. Tu as tellement grandi. On a beaucoup changé. Nous tous. Je suis si fière de notre résistance. Notre ? Regarde. Ça, c'est Sarentu. C'était au fond d'une boîte. Avec tout ce carding à dérober à notre peuple.
Nous avons réussi à le récupérer. C'est tout ce qui importe. Nous ? Ils ne l'ont pas volé à vous. Mais nous voulons la même chose. Et c'est vous qui décidez de ce que c'est. Ce que l'on veut. Ce qu'il faut faire. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est le meilleur pour vous. Vous protéger. On n'avait pas besoin d'être protégé quand on avait notre clan. Où était votre protection quand Harding m'a forcé à tenir une arme? Et qu'elle m'a cassé les doigts pour y arriver? Ou quand Mercer a fait battre Taylan pour avoir mouillé son lit? Il en a longtemps gardé les marques. Il m'avait dit d'arrêter. Ou encore quand ils ont emmené Ahari. On ne l'a plus jamais revu. Ahari. Vous n'avez absolument rien fait pour Harding Mercer. Vous êtes aussi responsable du mal qu'il a fait. Anna. Pas maintenant. Anna. Priya, tu peux répéter ?